Alors, on est en semaine Blocky-in, semaine de l'architecture. Dans le cadre du projet du bureau multiple. L'énoncé qui nous a été donné en début de semaine, c'est de réaliser donc un mobilier en carton. Sans colle ni épingle, donc trouver des accroches, des manières d'adapter le matériau aux contraintes de poids de l'homme. Pour la place Van Menen et ses alentours. Nous nous sommes rendus par groupe à nos différents spots pour prendre les mesures, faire les photos, s'imaginer notre projet. On nous a parlé un petit peu de l'histoire de la place, de comment elle était composée. Pris des prises de son pour s'imprégner un petit peu de l'ambiance et pour pouvoir créer quelque chose qui matchait bien avec l'ambiance. Les dimensions qu'on avait, la place, on a découvert aussi les gens qui habitaient là. On leur a demandé un petit peu ce qu'ils pensaient de cet endroit, parce que c'est eux qui vont aussi profiter de ces nouveaux aménagements. On a pris des photos, des mesures, on a fait des plans, des coupes de l'endroit, pour pouvoir savoir quel genre de mobilier urbain on pourrait créer, qui correspondrait à l'emplacement dans lequel on est. Nous, notre projet, du coup, on a fait 5 tabourets de forme triangulaire qui auront des hauteurs différentes, qui seront amovibles, de façon à ce que des groupes de personnes puissent s'asseoir ensemble. Nous avons décidé de créer un projet qui s'intitule Takeaway, qui est un banc et une table qui servirait aux gens et aux riverains qui se baladent dans la rue de s'asseoir et de manger. Un terrain de jeu intergénérationnel avec différentes places pour les plus petits, les plus âgés, les familles qui se rassemblent. Peut-être créer un espace aussi où les gens peuvent se rencontrer. Et on a une place qui est juste en face d'un petit jardin, un petit espace vert. Et donc, on a trouvé que c'était assez sympa d'aménager ce terrain-là. Bah, il faut un endroit pour manger, puisqu'il y aura des snacks et des bars pas loin. Donc, on s'est dit des manches debout et puis un lieu fort pour se réunir, quoi. Ah oui, il faut mettre oui. Est-ce que j'ai un peu perdu là en termes de E. Prenez coup, je dois faire comme ça. Et toi, je sais pas s'ils vont demander en fait justement des profs. Après c'est juste pour imaginer, je pense qu'ils savent très bien que si tu leur dis avec pareil que là, ils vont faire ok. Et en fait, donc, comme on voulait dire aussi tout à l'heure, c'est qu'on a voulu exploiter l'arbre, parce qu'on trouve que c'est quand même très intéressant, ça peut aussi protéger de la pluie quand les enfants viennent jouer. Et donc, cet aspect aussi modulable peut se tourner autour de l'arbre. C'est pour ça qu'on voulait faire un bloc qui ne bouge pas et plusieurs petits blocs qui peuvent s'orienter autour de l'arbre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est l'idée de principe? Qu'est-ce qui peut expliquer en deux mots ce qu'ils ont voulu faire? Avec d'autres mots que ce qu'ils ont utilisé. Un bon exercice. Ce qui est très étonnant et positif, c'est que la grille que vous avez entre les. Donc, qui est faite à la fois de ces éléments verticaux dans un sens et dans l'autre, eh bien, finalement, chez vous, elle vient très. C'est très doux, c'est smooth comme ça, quand vous l'avez de cette manière-là. Et perso, moi, j'ai l'impression que le tube, c'était une super idée. Hein, parce qu'on a toujours, en fait, ce problème. De cette espèce de barre qui va arriver dans le creux du genou. Bon, vous, déjà, comme c'est smooth comme ça, arrondi, il n'y aura pas vraiment de problème. Mais je trouvais que dans cette espèce d'aménité que vous amenez, aménité pour une personne, malheureusement pas pour le groupe. On a fait donc un affichage avec les professeurs qui nous ont demandé quel était notre projet et qui nous ont donné quelques pistes d'amélioration. On a changé plusieurs fois de projet. Plusieurs profs nous ont dit, ça va être dur. Un autre prof est venu et nous a dit, en fait, le toit, c'est peut-être en trop. Et nous a dit peut-être faire 5 manches debout au lieu de un seul quoi. Thank you.
avez un projet qui fonctionne super bien, mais maintenant il faut apprendre à le communiquer. Et donc les plans qu'on fait, les plans permettent aux gens de construire, aux gens de comprendre les dimensions, mais ils peuvent aussi exprimer des choses subtiles que vous avez pensées. Et vous, votre projet est très subtil dans sa construction, donc communiquez-le. Vous avez un truc très smart, hein. Vous devez croire en vous et bien défendre votre projet. Donc aujourd'hui, on a commencé la réalisation finale. Ce matin, on a fait, on a fait le plan à l'échelle sur un papier en format A2. Et là, cet après-midi, on a reçu le carton pour le faire donc, en taille réelle. Et donc pour vraiment pouvoir s'asseoir sur les tabourets, etc. Et donc là, on découpe vraiment des pièces pour le réaliser. Alors ce matin on a terminé notre projet du coup à l'échelle 1-1 et à midi on est parti, on l'a installé. On a présenté un toboggan. Et on avait l'occasion de présenter ce mobilier urbain, on avait chacun un emplacement. On l'appelle Slide Mission Impossible. On a présenté une structure avec différents niveaux pour que plusieurs personnes de tout type de taille puissent s'asseoir. En fait on a eu beaucoup d'idées et beaucoup de différentes méthodes. Et on pensait que ce serait en fait impossible et on a cherché jusqu'au dernier moment des idées. Avec comme idée un arbre, une structure végétale pour ajouter de la verdure sur la place Van Menen. Une sorte d'intimité qu'on a voulu garder depuis le début de tout ce qu'on a fait. Donc ces deux assises qui se font face sans vraiment être en face. Donc elles peuvent se parler avec une certaine intimité. Nous avons présenté ce beau jeu d'échecs derrière moi. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant peut-être à explorer. Et donc ça rejoint ce que disait Cécile, effectivement, on retrouve un triangle intéressant. Peut-être que suite était intéressant de retrouver ce même langage aux abus. Déjà, félicitations par rapport au contexte et au projet qui va venir. Je pense que vous avez bien saisi les intentions et du coup vous avez fait vraiment un mobilier adapté. C'est vraiment intéressant. Après, ouais, voilà, j'ai remarqué que c'était vraiment chouette d'avoir laissé laisser ce dessin de composition parce que je le trouve vraiment intéressant et ça se voit aussi dans la maquette au niveau des proportions. Ça peut s'ouvrir comme ça. Ça devient... Comme ça, il y a une vue. Le chat aussi, il pourrait choisir d'avoir la vue ou non. Exact. Soit il peut être dans son cocon fermé, soit il peut avoir... C'est ça, oui, ça va. Au fur et à mesure que vous l'avez compris, je ne sais pas si tout de suite vous vous êtes rendu compte qu'il fallait renforcer, mais c'est attentif à la manière de on construit et puis on teste, on dit ah non, il faut rajouter, mais c'est de le faire aussi. C'est pas quelque chose qui est fermé, on va dire, dans le design de la structure, c'est quelque chose de dynamique qui peut s'adapter à plusieurs lieux, à plusieurs, pas qu'aux places de parking. Super, merci. Le jury n'avait pas l'air d'être trop négatif. Bon, ils ont trouvé ça dommage qu'il ne soit pas stable et qu'ils ne pouvaient pas le tester. Mais je pense que sinon ils ont apprécié l'idée et ils avaient l'air contents. Bah, ça s'est bien passé, hein. On est content on est fiers de notre projet et le jury avait l'air content. Donc ça va, notre table elle tient et notre tabouret aussi. De ce qu'on a vu aujourd'hui sur le retour des jurys, ils ont l'air d'avoir plutôt aimé nos idées et la façon dont on a fait les choses. On est encore plus contents.
Moi, je suis super contente parce qu'on nous a directement mis dans le bain de ce que c'est être une architecte. On se plonge tout de suite aussi dans la pratique. On commence à travailler, on va commencer dans l'atelier, faire un projet, donc j'aime bien. Donc pour une première semaine, c'est assez hard niveau travail, mais après ça nous permet de commencer sur une bonne longueur d'onde sur l'année qui va suivre.